Claude Urbain-Mungue, je suis un créateur de mode résident à Douala et fondateur de la jeune marque Mungue Claude qui fait dans le vestimentaire féminin et masculin. Déjà, c'est une passion qui est aujourd'hui devenue mon métier. Je me retrouve dans la mode, ça fait, on va dire, 8 ans que j'exerce professionnellement, mais en amateurisme, j'ai commencé un peu plus tôt, déjà au lycée. Avec cette passion qui naissait en moi, du coup, elle a pris le dessus sur tout et j'ai décidé d'en faire un métier. D'où ma présence dans ça aujourd'hui. Beaucoup de choses. Déjà parce que tout au long de cette période, on a eu accès à un certain nombre de formations, un certain nombre d'ateliers qui, d'un point de vue personnel, sont très importants. Parce que, vous savez, avant ici, on exerçait ce qu'on pensait faire bien, au finish, c'est présenté comme étant pas vraiment ça qu'il fallait faire. Donc là, avec cette formation, j'ai pu acquérir de nouveaux outils qui me permettront de mieux implémenter mon business et de mieux le suivre professionnellement. La collection que je présenterai cette année est inspirée des souvenirs que l'on garde pendant lorsqu'on fait un voyage. Parce que le thème de cette édition, c'est la mode sans frontières. Et en tant que voyageur, quand on dit sans frontières, vous savez, quand on voyage, on a toujours tendance à ramener un souvenir, un petit truc qu'on garde en souvenir d'un endroit par lequel nous sommes passés ou quelque chose qui nous a marqué. Du coup, mon concept autour de cette collection, c'est cette jeune dame-là, moderne, qui a un style très particulier, qui, au travers de ses voyages, garde des petits souvenirs qu'elle incorpore, qu'elle associe à son vestimentaire, de façon, pas très, folklorique, mais de façon subtile, mais qui parle. Oui, c'est ça en fait le concept autour de ma création, souvenir d'un Très beau voyage. souvenir. Déjà parce que je me suis créé de nouveaux amis, de nouveaux collègues, un très bon relationnel, qui, pour le futur, hormis la compétition, parce que là, comme il faut bien le relever, en dehors de la compétition, il y a l'après-compétition. Dans l'après-compétition, aujourd'hui, je me suis, comment j'ai des amis à Maroua, j'ai des amis à Garoua, j'ai des amis à Yaoundé, créateurs qui font dans le même métier que moi. Du coup, ça c'est un réseau qui s'est créé et qui sera bénéfique pour moi et pour nous tous dans l'avenir. Parce que, imaginez, j'ai une cliente d'habitude qui est avec moi à Douala, qui voyage pour se retrouver à Garoua. Elle a besoin d'une confection. Comment je fais? J'ai une connaissance là-bas, je lui passe le numéro. Ça, c'est un très bon réseau, c'est un très beau souvenir que je garde, qui Ah, va pour la vie, en fait.